Salut, salut! Bon, ben aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est Halloween. Non, en fait, c'est demain Halloween, mais bon, aujourd'hui, on s'est déguisé. On a fait un tuto maquillage sur ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez voir le tuto où on se maquille un petit peu en direct, c'est sur sa chaîne. C'est un peu la catastrophe, mais c'est une première. Voilà, c'est une première. Moi, c'est pas une première, mais on fait jamais de tuto make-up, quoi. Ouais, voilà. Tuto make-up, tuto Halloween, on n'en fait jamais. Ouais. Donc là, c'était l'occasion. On va en profiter pour faire des TikTok, etc. Nos TikTok sont en barre d'infos aussi. Et là, on va vous faire un quiz spécial Halloween. Un quiz de la peur. Ouais, c'est un quiz qu'on a trouvé spécial Halloween, voilà. Quoi. J'envoie juste ça. Et du coup, il y a 15 questions. Voilà. D'un jeune à cause du filtre. À cause du truc blanc. Commencez pas à dire dans les commentaires. Oh, mais tu sais, elle est dans le jaune. Vous remarquerez nos lentilles. Enfin, elle en a qu'une. Ouais, j'en ai une. Mais regardez les lentilles. Et les tiennes, elles sont trop belles, elles n'empêchent. Ouais, elles sont belles. Ouais. Bon, elles me font plus mal. Moi non plus. Mais par contre, j'y vois blanc, moi. Moi non, j'y vois bien. Ah, pas moi. Moi, j'y vois blanc. Je vous mettrai le lien. C'est un site qui me les a envoyés. Si vous voulez. Voilà. Hein, on me les a envoyés. On m'a dit comme ça, tu feras des TikTok Halloween avec. C'est pour m'aider à faire des TikTok Halloween, ils ont été sympas. Donc si vous voulez savoir juste d'acheter. En plus ils m'ont fait plein de petits cadeaux dans la boîte. Ils m'ont même mis ils m'ont mis plein de petits cadeaux dans la boîte. Ouais. Des petits autocollants et tout. Trop chaud. Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Allez. Donc première question. Le film qui t'a empêché de dormir. C'est quoi le film qui m'a empêché de dormir quand je Moi, il y en a tellement qui m'ont fait peur. Moi j'ai trop peur en fait. C'était quoi déjà un film qui m'a empêché de dormir? Moi pas qui m'a empêché de dormir, mais un film qui m'a dégoûté, genre le film le plus... Ah, celui que je me rappellerai toute ma vie, c'est The Human Centipede. Mais après il est pas vraiment peur, c'est juste qu'il est... Il est gore. Ouais. Ou ça. Saw. Ouais, Saw. Non, moi celui qui m'a vraiment fait peur, c'est... Non, j'ai vraiment aimé ce film, mais... J'avais peur d'aller dans les forêts. Après c'est Le Détour Mortel. Des tours mortels avec la famille. C'est là où il s'attrape les pieds et tout, non? Non, c'est avec la famille de Mongol. C'était bizarre là-dedans. C'est une famille bizarre. Mais en fait, moi, il y en a énormément. Hein. Mais je me rappelle pas. On regarde trop de films d'horreur, nous, en fait. On regarde tellement de films d'horreur que. Après, qui m'a empêché de dormir, pas vraiment parce que j'adore les films d'horreur. Si, moi, il y en a plein qui m'ont empêché de dormir, mais avant, maintenant, ça va. Mmh. Ouais, peut-être quand j'étais petite aussi, ouais. Je me rappelle pas des titres. Le lieu qui fait peur. Le lieu qui te fait le plus peur. Moi, c'est une maison abandonnée ou un truc comme ça, un manoir, un truc comme ça, un vieux château. Où il y a un truc où il y a une histoire. Ouais, ouais, j'allais le dire, un truc où quelqu'un m'a déjà raconté qu'ils avaient vu des trucs ou quoi, ça où il y a une histoire, tu vois. Même un truc qui s'est passé il y a longtemps et où il y a une histoire. Dans ce truc, j'ai l'impression qu'il y a une présence quand je rentre. Ou être seul dans les bois et tout, ça aussi, ça fait peur à la nuit. Ah ouais. Dans les bois. Dans les bois, la forêt là-bas. Ouais. Ou être seul. Ben, en fait, partout où t'es seul, la nuit, quoi, où c'est sombre, ça fait peur, hein. Ouais. Troisième question. Ton film d'horreur préféré? Ben, moi, c'était. Ben, moi, à une époque, c'était Le Détour Mortel, mais sinon, j'ai bien aimé tous les Saw et tout ça. Moi, j'ai aimé, mais ça me dégoûte. Un film d'horreur que je viens de voir. Sinon, mon préféré, je sais que c'était Détour Mortel. Celui-là, je l'avais aimé le premier. Ah ouais, le premier. Ben, moi, je sais. C'est quoi le dernier film? Je suis allée voir un film au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, il était grave bien. J'ai bien aimé. Tu sais, avec les petites filles là. Tu sais, il y a ces deux sœurs là et il y en a une qui se fait prendre dans une maison où le mec là il la torture et tout. Tu n'as pas vu ça? C'est où moi? Mais si, je suis pas allée au cinéma avec toi, je sais plus c'était avec qui que j'étais. Ah, je sais pas. Moi j'ai des films d'horreur préférés, franchement je saurais pas vous dire. Hein. Mais les films d'horreur c'est trop bien. Ouais. Le film que tu n'as jamais eu le courage de regarder. Okay. Les autres Human Centipede. Ils étaient nuls. Je sais pas, mais j'ai jamais eu le courage parce que celui que j'ai vu m'a tellement dégoûté que non, je veux pas voir les autres. Ça me... ouais. Moi non, j'ai aucun film que j'ai eu peur de regarder. J'adore ça. J'adore les films d'horreur. Toi, laisse tomber. J'adore. Moi, à chaque fois. D'ailleurs, à chaque fois, on regarde quoi à la télé? Un film d'horreur. Mais il y a un film qui va sortir, The Downtown, je crois que ça s'appelle comme ça. T'as pas entendu parler de l'application? L'application qui te dit tu meurs quel jour, à quelle heure et... Ah oui, je veux le voir celui-là. Et bien, il y a le film qui sort, je vais aller le voir le 13 novembre. Ok, c'est noté. Et ouais, du coup, l'application, tout à l'heure, je pensais qu'elle n'existait pas vraiment. C'est quoi ça? Je vais sur internet pour voir. Et là, je vois l'application, elle n'existe pas. Moi, je ne la télécharge pas. Hein. Moi, je vais me chier dessus. Ah ouais. Ils me disent tu meurs dans un an, je vais paniquer un an. Hein. Je pense qu'ils y ont joué par rapport au film. Hein.
Oui, ben, le film il s'appelle comme l'application. Oui, mais ils ont joué à faire une application par rapport au film parce qu'ils savaient très bien qu'il y en a beaucoup qui allaient la télécharger. Ah, mais moi je télécharge pas, même si c'est faux, hein, ça fait trop peur. Hein, moi j'ai peur des trucs comme ça. Donc, prochaine question. Une anecdote, le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. J'espère dire la même chose que moi. Ouais, ça nous a marqué ça. Ouais, c'était il y a combien de temps? 3 ans, non? Ouais, 3-4 ans. En fait, on était dans la forêt. C'était l'hiver ou l'été? Parce qu'il commençait à faire. Côté de chez nous, là, il y a un grand chemin avec une forêt, il n'y a que des arbres. C'était quand le temps il veut devenir comme ça. Parce que du coup, il faisait nuit tôt. On était partis marcher, faire du vélo, marcher. On marchait, je crois. Et on était en train de marcher dans la forêt. Oh là 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 là. Et on avait l'impression que quelqu'un nous suivait. Ouais, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière nous. Tu te rappelles, à chaque fois on se retournait, après on est parti en courant. Alors on se chiait dessus, deux mongols. Et la forêt, elle était interminable. Et en fait, il commençait à faire nuit, sauf qu'au final, on n'avait pas fait attention. Parce qu'il fait nuit à 6h maintenant. Et je crois que ça devait être dans les alentours. Genre, il faisait ni trop sombre, mais ni jour. Et vu que c'était dans la forêt. Et c'est tombé d'un coup parce qu'il y avait la forêt. Ouais. Le soleil, on ne le voyait plus. Oh putain, ce jour-là. Ouais, non. En fait, à chaque fois qu'on marchait, on avait l'impression comme tu sais, tu le sens dans la rue quand quelqu'un marche derrière toi. Ouais. Du coup, tu te retournes et tu vois qu'il y a quelqu'un derrière. C'est ce qu'on faisait. En fait, ça nous faisait ça, sauf qu'en fait, on n'était pas folles. Parce qu'on était deux. Ouais. Du coup, et puis en plus, on se faisait peur l'une à l'autre. Ouais. Et en plus, dans la forêt, là, tu sais, on savait pas si c'était genre un chat ou quoi. Mais au final, tu te retournes, tu vois rien, tu te dis rien du tout. On s'est chié dessus. Je sais même pas comment on a fait pour arriver à la maison vivante. Hein. Enfin, pas vivante, mais avec le cœur accroché, quoi. Ouais. Moi, je me rappelle pas. En fait, je me rappelle pas énormément de ce moment, mais je sais pas comment on a fait pour réussir à finir la forêt, quoi. Bon. Prochaine question, l'insecte qui te terrorise ou te dégoûte le plus. Ah, les araignées. Insecte. Une grosse, là. Oh. Franchement, moi, y a pas d'insecte qui me terrorise. Quoi? Les bêtes qu'il y a derrière mon lit. derrière ton lit, là-bas, la fac. Oh. Le truc. Moi, il n'y a pas d'insectes qui me terrorisent. Non, mais toi, t'attrapes les insectes comme ça me dégoûte. Moi, il n'y a pas d'insectes qui me terrorisent. Si, les souris, je fais une crise cardiaque, je peux pas. Je pleure, j'ai un truc qui se décolle. Ouais. Pourquoi c'est un truc qui colle, ça? C'est pour ça qu'on faisait un truc bizarre. Mais par contre, un insecte, non, j'ai pas peur des insectes, moi. Si, un truc que j'aimerais pas attraper avec les mains, c'est une... punaise. Non. Ah. Je crois que je vais l'enlever, non? Ah, oui, c'est carrément enlevé. Des colleuses, c'est pas grave, t'as des traces. C'est une... pas des punaises, les chenilles à poils, là. Ah, on n'en parle pas. Les chenilles à poils. Par contre, j'aimerais pas les attraper, j'aurais peur que ça pique ou ça pince. Ou les pinces-oreilles, ça te rappelle que t'as piqué. Ouais, j'étais chez ma mamie, tranquille, assise sur une chaise. Et tu sais, vous savez, ça m'a fait comme si un poil s'accrochait dans la chaise. Ça a piqué. Et ça m'a... Ah. Et là, je regarde ma jambe, je fais « Ah, il y a quelque chose qui m'a piqué !» Et tout le monde... Et là, je regarde, je vois une bête qui tombe, pince-oreille. J'ai fait un bond. Et en plus, j'avais une trace rouge comme ça derrière la cuisse. Et elle m'avait vraiment piqué. Ah ouais, t'avais pincé. Oh non, mais rien que d'y penser, ça me dégoûte. Mais même une mouche, je peux pas la toucher. Ah ouais, quand il y a des mouches dans la voiture, elle pleure. Ah non, mais elle s'arrête et tout. Ah non, moi, ça me dégoûte. Tu te rappelles la fois, il y avait... je sais plus, il y avait quoi dans la voiture? Une mouche. Une mouche? Oui, oui. Ah oui, vous savez, les mouches qui se posent sur toi, tu l'enlèves, elle revient. Ah ça me dégoûte. Ah oui, non, mais moi, j'attrape aucune bête avec les doigts, mais alors les araignées. Oui, par contre, t'attrapes les cordonnées avec les doigts. Mais non, mais parce que tu sais, ça me gratte au bord de la narine. On va pas y passer 100 ans, mais quoi, des questions? Écoute-moi bien, si j'ai la narine qui gratte, je me gratte la narine. Stop alors, hein, on n'a plus le droit de se gratter. Ah, dégage là! La nourriture du mal ou l'aliment le plus immonde que tu ne voudrais surtout jamais manger. La cervelle. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, il n'y a rien qui me dégoûte. Moi, en aliment, je mange tout. Je ne suis pas difficile du tout. Personne du tout. D'ailleurs, Mouitou, elle me l'a dit, t'es pas difficile, toi, tu manges tout. Des fois, elle fait l'estomac des moutons, machin. Mais c'est vrai que moi non plus, je ne suis pas hyper difficile. Par contre, la cervelle, non, je ne peux pas. Ou la langue. Ah, la langue, tu manges bien la joue de bœuf. Ah ouais, mais non, mais la langue, c'est pas pareil. La langue, quoi. Ouais. Ou la cervelle. Ah ça c'est par contre c'est un des deux trucs que je mange. Après je mange tout, ouais. Moi non. Les abats, le foie, le cœur, je mange tout. Non. Mais non, la non. Cervelle, écoute, et les yeux. Ouais. Koh-Lanta. Je vous promets sur la vie de ma mère que si un jour je fais Koh-Lanta, vous êtes déjà au courant. Je ne goûte pas les gros yeux là. Rien que d'y penser ou les gros vers là qu'ils arrachent avec la bouche. Non, mais là on parle de l'aliment. Ouais, c'est pas un aliment, mais il y en a qui le mangent, quoi. Ouais, enfin bon, voilà. Ben, les Chinois ils les font griller. Hein. Oh. T'as mangé la dernière fois? Ouais, mais. Dans ma vidéo.
Ouais. Mmh. Crois-tu aux sorcières et aux esprits? Aux sorcières, non. Aux esprits, oui. Moi aussi, j'y crois aux esprits. Moi, je crois aux esprits parce que des fois, quand je suis toute seule, quand vous allez au cinéma avec Chahine, que je suis toute seule le soir à la maison, je me chie dessus, tu sais, je cours. J'allume ah, par comme je cours dans la maison. Je suis toute seule. Ah ouais, non, mais moi, je crois. Moi, je crois aux esprits parce que j'ai toujours l'impression de voir des trucs blancs. Et genre, tout le monde me prend pour une folle, mais j'ai toujours l'impression de voir des trucs passer. À chaque fois que je le dis, les gens me disent c'est ton imagination qui te dit tout. Comment ça s'appelle ça? Ça a un nom. Ah ouais? Ouais. Mais moi j'y crois parce que mamie elle m'avait raconté plein d'histoires et tout ouais, ça, que c'était pas jeune, qu'elle était jeune. Ouais, en fait, moi, vu qu'il y a plein de personnes différentes qui me racontent des trucs, je me dis, il y en a au moins une qui est pas une menteuse. Mmh. Tu vois? Pour toutes les personnes qui racontent. Après, il y avait quoi, esprit ou quoi? Ou sorcière? Non, les sorcières, j'y crois pas par contre. Parce que moi, je pense à la sorcellerie. J'y crois à la sorcellerie, mais sorcière, c'est un grand mot. Mmh. Mais je crois à la sorcellerie, au mauvais oeil et tout ça quand même. Ouais. On te voit pas presque. Ouais. Mais ouais, les esprits, j'y crois. Le livre qui t'a fait le plus peur mais que tu as dévoré jusqu'au bout. J'ai pas lu de film. Non, si, j'ai pas lu de livre qui m'a fait peur. Moi, je lis que les histoires, témoignages. Ouais, les témoignages. Après, c'est, ça fait pitié, mais peur. Non. J'ai pas lu de livre qui m'a fait peur. J'ai déjà lu, moi, je pense, des trucs chair de poule et tout, mais c'est des trucs de petits, genre des vrais films. Non. Après, je préfère lire les témoignages aussi. Hein. Le jeu vidéo le plus effrayant auquel tu as joué. Le casque. Resident Evil. Oui, c'était Resident Evil. On a joué avec la VR. Le casque VR, ouais. On a un casque VR avec la Play et on a joué à Resident Evil. Ouais, et en fait, c'était un homme qui se faisait tuer, non? Et en fait, on était assis sur une chaise, un moment, c'est une scène, hein. On était assis sur une chaise et t'as un monstre qui arrive d'un coup là, enfin un monstre, une espèce d'humain tout décortiqué là, qui arrive d'un coup par la porte. Et quand tu tournes la tête comme ça, il y a un mec comme ça avec le couteau pour te planter. Oh là, on a fait un saut. L'angoisse. Ouais, franchement, casque VR avec les jeux de peur comme ça, c'est ouais. La mort. Mais c'est bien. Ah ouais, non, mais celui-là, il nous a fait trop, trop peur. Hein. Ouais. Ensuite, ton pire cauchemar. Mon pire cauchemar? Ouais. Cauchemar ou pire cauchemar, un truc qu'on n'a pas envie qu'il se passe? Je sais pas, il marquait ton pire cauchemar. Mon pire cauchemar, c'est quand je... Mais dis les deux, alors. Mais moi, mon pire cauchemar, c'est souvent que ça m'arrive que... Il m'arrive, par exemple, il y a quelqu'un qui veut me tuer ou quoi... Et t'es tellement fatiguée, t'es tellement endormie, t'as envie de crier, t'y arrives pas. Et quand t'as envie de courir pendant que tu rêves et que tu n'arrives pas à courir. Et ta pire peur? Ma pire peur? Ouais. Moi je pense que ce serait... Enfin, c'est pas ça. Mais un truc qui me fait vraiment peur, c'est de faire une paralysie du sommeil. En parlant de tout ça, t'sais, cauchemar et tout. Ouais, c'est vrai, parce que Kelly en avait parlé la dernière fois et ça avait l'air de l'avoir terrorisé. Je sais plus c'est qui m'avait raconté qu'il en avait fait une, mais ça fait longtemps, c'était il y a longtemps qu'on m'a raconté, mais ça m'a fait trop peur. Je sais plus c'est qui. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'aimerais pas. Mais dans mes cauchemars, je sais que moi le truc que je déteste, c'est quand j'arrive pas à courir ou crier et qu'il y a quelqu'un qui me poursuit pour me tuer ou un truc comme ça. Oh là là là. Moi, là, le pire cauchemar que j'ai fait, c'est quand j'ai imaginé qu'il y a quelqu'un qui voulait me tuer et qui me suivait partout. Genre qui me poursuivait dans la rue et tout, c'était il y a longtemps. Mais j'en fais pas énormément des cauchemars, moi. J'ai dû en faire ça. Moi, je sais pas, la dernière fois, j'en ai fait sur des anges criés et tout. Ouais. Pourtant, tu te réveilles quand t'en fais un, hein? Ouais, mais tu là, fais pipi dessus et tout. Après, les pires cauchemars, c'est quand je rêve que quelqu'un meurt. Oh, ouais. Moi, mais tu sais que. Et quand tu te réveilles, t'es content. Et je sais plus c'est quand. Je sais pas si c'était. On te voit jamais. J'ai pleuré, non, une fois dans un rêve. Je sais pas. Tu te rappelles pas, une fois, papa, il m'avait dit, ouais, pourquoi tu pleurais cette nuit? En fait, non, je pleurais pas, je rêvais. J'avais rêvé que quelqu'un était mort, mais je sais plus c'était qui. Je crois que c'était mamie. Je sais pas pourquoi. Il me semble que c'était mamie ou Jennifer qui était morte. Peut-être. Oui, je crois que tu m'avais dit Jennifer. Ah, ça doit être Jennifer. Et ouais, et on était tous en train de pleurer. Et papa, quand tu te réveilles, tu t'es dit, ah, c'est pas vrai. Fêtes-tu Halloween? Oui. Oui. Enfin, avant, quand j'étais petite, on me faisait tout le temps. Ouais, avant, on allait chercher les bonbons et tout. Ouais. Bon, ici, en fait, c'est pas qu'on fête Halloween, c'est que on aime bien l'esprit fête, être dans la rue avec les gens déguisés et tout, machin, c'est trop bien, ouais. Tu vois. C'est le seul moment d'année où tu peux faire un truc, quoi. De peur, en plus. À part carnaval. Oui. Et là, en plus, jeudi, on va à Vapiano et il faut être déguisé. D'accord, on est content. Moi, je vais pas me déguiser comme ça. Moi, je sais pas, peut-être je me remaquillerai comme ça, tu vois. Ouais, il faudrait que ce soit mieux fait déjà. Mais ouais, Halloween, franchement, quand j'étais petite, on me faisait tout le temps avec ma copine et c'était trop bien. Maintenant, ouais, on n'habite plus dans un quartier comme avant. Avec Elodie, c'est un quartier où tout le monde nous donnait des bonbons, des pièces, t'avais même eu des pièces et tout. Ouais, il y a des gens qui donnaient de l'argent, on allait dans les bijouteries nous donner des petits parfums, des échantillons et tout, c'était trop bien. Ouais, j'aime le taboulé. J'ai faim. Ouais, tu attends, on a bientôt fini.
Ton bonbon d'Halloween préféré ou ton aliment préféré pour Halloween? Les yeux, la vue. Hein. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bon. Mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Si, je regarde. Les yeux gluants. Ouais, parce que bon, mon Halloween. Moi j'adore les dentiers, les roses là. Mmh. Oh, qu'est-ce que je les aime, ceux-là. Bof. Sinon, non, j'aime bien les yeux qui éclatent là dans la bouche. Ouais, mais c'est bon, après, parce qu'on sait que c'est des bonbons. Hein. Ouais. Après, ton aliment préféré et tout ça, on fait pas Halloween comme en Amérique à manger des Thanksgiving ou je sais pas quoi, non, c'est pas ça. Non, ouais, ils mangent des citrouilles et tout en Amérique, mais j'aimerais trop. Franchement, t'aimerais pas juste une fois partir pour Halloween et Noël, genre aux États-Unis et tout. Tu me payes le voyage? Ouais, mais ils font tellement des bonnes fêtes comparé à nous, là, ben, Halloween, personne ne fait. Tu sais. Ouais. Quoique maintenant en France ça commence à faire des trucs pour Halloween. Noël ils le font de fou en France. Ah, avant non, maintenant Halloween si ça commence à être. Avant non, je me rappelle avant. Oui. Mais ouais. Ça commence à. Ouais, quand même. Et pas énormément non plus, tu vois. Ouais, quand même. Quand on le voit. Quel monstre aurais-tu aimé être ou quel personnage de film d'horreur? Moi j'aurais bien aimé être la sorcière de Blanche-Neige. Moi j'aurais aimé être Carabin la sorcière. Quelle cool ça. Ah ouais. Moi la sorcière de Blanche-Neige. Pourquoi? Ben parce que c'est un grand personnage. C'est pas parce que elle va tuer Blanche-Neige ou quoi, hein. Ni parce qu'elle est méchante, c'est parce que c'est un personnage de Blanche-Neige qui est c'est un grand personnage, voilà. Moi j'aurais aimé être la méchante de Maléfique. Ah oui. Même de voir Angelina Jolie. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est trop belle dans le film. Mais ouais aussi. Oui, mais dans le film elle est trop belle maquillée comme ça. Ouais, non, personnage de film d'horreur. Personnage de film d'horreur. De film d'horreur? Je sais pas. Annabelle. Le petit bonhomme là. Chucky. Sam. Ah, Chucky! Non, la femme de Chucky! J'aurais trop aimé être la femme de Chucky. En plus, on aurait ressemblé. On aurait trop dû se maquiller en Chucky et la femme. Ça aurait été trop rigolo. Elle est trop jolie. En plus, je mets la perruque blonde. Ah ouais, viens, on fait la femme et l'homme. L'homme et la femme. Ah ouais, en plus, c'est une petite perruque, non? Avec les cheveux à l'air? Ouais, t'as pas la perruque, est-ce que t'as une salopette avec un pull rayé? Bah au pire j'achète de la bombe orange. Je me fais les cheveux orange, j'ai les cheveux orange. Ah ouais, on a trouvé un maquillage pour jeudi. Au pire, non, on n'aura pas le temps. Je veux dire, au pire on se lève. Non, on n'a pas le temps, j'ai conduite. On aurait pu le filmer, mais on verra. Ouais. Ouais, mais ça sera à lui, ça sera passé. Je vais pas aller conduire avec... Comment je vais faire? J'ai conduite. À quelle... Oh, t'es obligée d'aller conduite maquillée. Ça pas. Et quelle honte. Ouais, comment on va faire? Parce que moi je veux aller maquiller, hein. Bah ouais, comment on va faire? Et dernière question. T'appelles Mélissa, tu lui dis je suis désolée, mais aujourd'hui c'est Halloween, je vais maquiller. Et alors tu vas être dans la voiture avec elle, tu t'en fous? Elle va dire putain. Je vais pas être avec elle. Hein. Elle va dire putain, mais celle-là, entre péter dans la voiture et venir maquiller, elle va se rappeler de toi. Elle nous a soufflé. Elle va se rappeler de toi toute sa vie, elle. Quoi, j'ai pas le droit de péter dans la voiture, ça va, c'est déjà. Du moniteur d'auto-école, c'est mes copains. Si j'ai envie de leur péter dessus, je leur pète dessus. Elle doit pas faire. C'est un moment. Dernière question, connais-tu les origines de cette fête? Ça vient d'Amérique, non? J'allais dire pareil. Non, je sais que ça, c'est une fête de mort. C'est la fête des morts. Non? C'est non. Ça, hein? C'est pas la fête des morts, non, si. La fête des morts, c'est la Toussaint. Je sais pas pourquoi ils ont... Désolée, je pensais que t'allais... Je sais pas pourquoi ils ont été faire ça. Franchement, je ne me suis jamais... Aucune idée, je sais que c'est une fête américaine. C'est très connu là-bas et tout ça. S'il faut, c'est même pas ça du tout. S'il faut, ça vient du Canada ou quelque chose comme ça. Parce que là-bas aussi, ils font des fêtes comme ça. Oui, non, sinon, non, je sais, je me suis jamais renseignée. Non plus. Pour Halloween. Ouais. Aucune idée. Bon, mais voilà. Voilà. Donc, on a fait un petit quiz, voilà. Petit quiz Halloween, le maquillage, machin, on a été à fond jusqu'au bout. Voilà. Donc, on fait quoi maintenant? On vous dit à très bientôt. Dites-nous qui est la plus belle maquillée. La gueule qu'elle fait. Bon, allez. C'est moi qui me suis dit le plus de mal. On dirait pas moi une prostituée de luxe. Comme ça, regarde mon collier et tout. Une prostituée de luxe, je l'ai déjà. Ah, tu vas me casser le nichon. Pas grave. Bon, ah, tu vas me casser la vitre. Bon, allez. Des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Mouah. 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 Regarde, j'ai des TikTok trop bien. Je peux faire les miniatures déjà. Tu es trop jolie. Je leur mets un la miniature. Pas vu parce que sinon ils vont dire ouais, quoi cette pute. Oui, ok. Vas-y, viens, je te mords le cou. Qu'est-ce qu'ils sont moches. Merde, la miniature 17. Si je fais ça, tu as fait le buzz. Mais allez, dépêche-toi que tu brûles la gueule, tu m'as pesté tout le long là, pousse-toi. Pousse-toi, chérie, pousse-toi vite! Chérie, je suis maquillée.
le Joker il fait ça tout le temps. Ouais, ça ira. Pourquoi tu t'es su sur moi ça?